Bonjour, bonsoir, dépendamment de côté où il est sous la terre, on suivre l'émission mise au point. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment important, intéressant, puisque le 1er décembre, c'est la journée mondiale, maladie SIDA. Et bien, c'est une occasion pour nous tous nous capables de réfléchir sur la maladie SIDA, mais même en même temps pour nous capables de sensibiliser les jeunes, tout le monde, et par rapport à la maladie ça. Et bien, c'est dans ce sens ça, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission ça, n'a recevoir docteur Franck Généus, lui-même qui est président association l'hôpital privé en Haïti et lui c'est directeur médical l'hôpital Adventiste d'Haïti qui chita dans Dikiniso national numéro 2 l'opralé au niveau de Carrefour. Docteur Généus, bonjour, nous comptons ensemble avec vous matin. Bonjour Ruben, bonjour à tous les téléspectateurs et internautes qui en fait et a joui participer dans l'émission ça. Docteur Généus, tout le monde, bon, il y a des gens qui toujours pensent, je dis à la parler à la, SIDA, c'est politique. Il y a des gens qui toujours pensent, maladie SIDA, il y a un rapport à la question mystique, c'est moi qui est capable de voler le monde. Il y a des gens, tabou ça, toujours été dans la tête. Qui ça malade? Est-ce que vraiment maladie SIDA existe? Qui ça lié pour être capable de rafraîchir les yeux, pour être capable de prendre la maladie à très bien? En fait, maladie SIDA, c'est un. C'est un phénomène pathologique qui change la vision, la médecine et la santé dans le monde entier, pas dans le pays d'Haïti seulement. Et en fait, il y a une série de paradoxes que le SIDA a révélé et il fait nous comprendre plus comment le monde réagit ou bien entrer en relation avec ça ou les maladies. Maladie SIDA, S-I-D-A, il veut dire syndrome immunodéficience acquise, SIDA, ça veut dire que syndrome, donc un ensemble de symptômes que on monde gagne les que système immunitaire, le système défense li tombé acquise là, yo mette li pour dire que son bagage li attrapé pendant que l'ab vive parce qu'en fait il y a monde qui gagne syndrome de immunodéficience mais le fait avec lui. Donc SIDA son maladie, une maladie qui baille par un germe que on le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, ça veut dire virus qui en fait rend défense débile, si je peux utiliser l'expression ça, et puis humaine, c'est parce qu'il existe qu'à l'autre animaux. Par exemple, il y a un singe qui gagne ou un VIS, virus de l'immunodéficience sémiasse. Donc, VIH, là, virus, là, germe, là, les liens entrés dans comme on a petit à petit, il pral développer un certain nombre de symptômes qui pral en fait déterminer maladie que nous relais SIDA. L'extrêmement intéressant pour faire donc, différence. Donc, différence entre VIH et SIDA. Il y a énormément de différences entre VIH et SIDA. Première différence, c'est que VIH, là, c'est non, yon j'aime. Okay. Deuxième différence, là, c'est que un monde qui est infecté de VIH n'est pas nécessairement malade. C'est un monde qui porte un virus dans son lit, mais qui n'a pas gagné des symptômes de maladie. Ça veut dire qu'il a fonctionné même genre avec vous, qui a d'ailleurs en meilleure santé que moi-même avec vous. Et de façon très concrète, on peut prendre un exemple, un monde qui doit gagner germe ou bien virus grippe dans quoi li, mais il pas manifesté et maladie grippe là. Donc un monde qui gagne VIH, il pas nécessairement gagne SIDA. C'est progressivement, si monde n'a pas sous traitement que le pral développer des symptômes, des signes qui pral déterminer syndrome immunodéficience. Si symptôme ça c'est qui ça oui, le monde n'a gagne maladie. OK. Et VIH, SIDA, maladie SIDA, c'est une maladie qui a comme caractéristique pour évoluer sur très 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 longtemps. Il y a des gens en fait qui prennent germe là qui jusqu'à 10 ans, 15 ans, voire 20 ans pour développer. Sinon, mais de façon globale, dans des pays comme Haïti par exemple, entre 5 à 7 ans, on a commencé à manifester signes avec un certain nombre d'occurrences, nous relais ça. Un premier groupe de signes qui est capable de manifester, qui sont des signes, je ne dis pas, mais qui sont moins débilitants, qui sont moins difficiles pour nous pour gérer. Par exemple, on a capable de gagner des masses. Des boules qui a pleuvé dans le coulis, on est capable de gagner des petits symptômes très simples sous forme de fièvre, etc. Et qui baille en fait premier groupe de symptômes que on a gagné et qui pas du tout évoqué une maladie grave. Ensuite, quelques années après, on a commencé à développer un certain nombre de maladies. Et en fait, un certain nombre de maladies qui sont caractéristiques du fait que mon système immunitaire, donc ça veut dire défense, est tombé. En fait, concrètement, SIDA lui permet ouvert porte pour que des maladies entrent. En sorte que, par exemple, il y a un pile maladie, comme l'herpès,
Herpès, c'est une maladie qui en général existait, mais à partir du moment où on a sida, il gagne herpès la plus facile. Ou des maladies comme tuberculose. Tuberculose, c'est une maladie qui a existé pour contre, mais au monde qui gagne VIH, qui gagne j'aime VIH là, qui arrive dans stade côté système immunitaire libéré, capable non seulement capable manifester tuberculose là, mais tuberculose là frappe encore plus fort. Ou une maladie qui particulière d'ailleurs, c'est maladie ça qui te permet que yo fait diagnostic que te pas qu'à dire découvrir, mais que tu as commencé à poser tête question, mais ce n'est pas possible. C'est ça, le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi est très pathognomonique. Ça veut dire que l'on jeune monde qui a le sarcome de Kaposi ou qui a posé tête question, est-ce que mon ça pas gagné un système immunitaire qui est déficient? De façon très concrète, dans l'histoire et pour l'histoire, début des années 80, fin des années 70 d'ailleurs, et aux États-Unis, ils ont commencé à remarquer que gagne en pile jeune monde qui gagne sarcome de Kaposi. C'est une maladie que te connait ouais kay moun qui âgé à partir de 60 ans ou plus, il a commencé ou en pile jeune monde a gagne, yo dit mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de façon particulière, yo te vinn rencontrer et le fait que aux États-Unis au début, il était essentiellement trouvé chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et à partir de ce moment, yo commencé dit probablement une nouvelle maladie que nous pas connait, et yo te bali plusieurs type de nom. À l'époque, on était le cancer des gays, à l'époque, on était la fièvre des gays, et petit à petit, on pral bail plus nom à lui-même, mais c'est juste pour montrer comment qui bosse à sortir. Par la suite, on pral venir 3 H, là on dit hémophilie, héroïnomane et homosexuel, 3 H. Et quelques temps ça après, dit public monde qui plus susceptible pour maladie à l'époque c'était monde ça que était considéré qui était beaucoup plus susceptible, en tout cas que était rencontré beaucoup plus dans statistique yo. Et par la suite on va venir 4 H, 4e H là c'était haïtien, au songe début des années 80 était un grand tollé qui était fait côté et les haïtiens aux États-Unis étaient prendre la rue pour être capable retirer H là, mais c'est juste pour dire que gagner une série de symptômes et une série de maladies qui caractéristiques de ça. Maintenant, ce qui est le plus important en matière de VIH, contrairement à beaucoup de maladies, il est très dangereux pour focaliser sur les signes ou symptômes de VIH pour dire que gagner un monde que un tel lui-même il gagne VIH, il gagne sida ou pas. Nous sommes en fin étude universitaire moi, étude médecine moi dans les années 95-96, j'ai presque fini, tu gagné aux États-Unis, tu parlé de face look AIDS. Aux États-Unis, ça veut dire que le visage de la personne, son visage qui est évocateur de VIH. On n'a pas qu'à garder sous figue pour dire que pas qu'à dire ça encore. Pas qu'à dire ça encore, parce que s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas une maladie ou bien un signe dans la rue où on regarde mon nom, dit ah, mon ça fait sida. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est aussi et tout aussi vrai. Un monde qui doit gagner, j'aime sida dans lui-même, et puis on n'a pas aucune idée par rapport à apport extérieur li que moun sa li gen VIH. Donc li très important pour connaître symptomatologie yo, mais li beaucoup moins important pour connaître ça qui est important à se souvenir dans le VIH, c'est dépister ou connaître et connaître est-ce que ou même ou porteur de germe nan et faire ce qu'il faut. Ou porteur de germe nan, gen des choses que ou doit faire, ou pas porteur de germe nan, ou gen une façon que obligé. Donc nan c'est ça deux bagages pour moun yo songer. Oui, maladie sida li existe, li pas politique, pas gen pour la question mystique. Et deuxièmement, ou pas garder sous figue moun nan pour capable dire que moun nan fait sida. Mais faut ti rappel ki jan moun capable attraper maladie sida. OK. Maladie sida li très connu maintenant que ou capable attraper maladie sida dans rapport sexuel, en fait, de façon plus simple, et virus là, il est présent dans tout liquide biologique monde, que ce soit sperme, que ce soit d'autres liquides biologiques, mais dans sperme là, il est particulièrement présent. Donc dans rapport sexuel, pour capable d'attraper. Alors rapport sexuel sans précaution, sans rapport sexuel non protégé, sans préservatif, et ou capable d'attraper maladie sida si un partenaire yo infecté, il est capable de transmettre germe là. Ben l'autre monde tout à l'heure on a retourné sur aspect ça. Deuxième façon qu'on peut attraper, c'est contact sanguin, ça veut dire sang, sang avec peau, mais sang surtout avec muqueuse. Ça veut dire que, par exemple, si on regarde des parties dans les yeux qui blanches, qui n'ont pas même couleur avec peau, la nourriture des muqueuses, c'est beaucoup plus facile pour j'aime traverser à travers des liquides sanguins ou des liquides biologiques si on tombe sur vous. Et troisième façon, c'est ça nourriture, la transmission verticale, c'est maman qui est enceinte, qui est capable de bailler petite lit. Que ce soit dans la vente, un peu moins, mais essentiellement dans le passage, dans l'accouchement, il est capable de transmettre le virus ça, par petit.
Dans ce sens, il y a des gens qui ont passé, filles ou bien garçons, qui ont dit, bon, je n'ai pas de relation sexuelle, ça veut dire les pénétrations entre les deux, mais si je fais un sexe oral pour mon âme, je n'ai pas pris le sida. C'est peut-être ça qui fait que moi, j'ai spécifié que c'est dans le liquide spermatique, là, c'est dans le liquide qui sort dans le corps. Alors, je vais dire avec un peu de précaution. Mais qui sort dans le corps, on ne se pas la donne. Je ne vais pas arriver sur ça. Je vais dire avec un peu de précaution. À la vérité, le virus est présent dans tout liquide biologique. Okay. Sur là y compris, l'être maman y compris, cacher mon na y compris, etc. Cacher un petit peu moins. Mais, dans l'autre liquide biologique, yo, li pa genye yon quantité suffisante pour li en général déterminer yon infestation, yon infection. Ça veut dire que c'est vrai que le nansu ou, c'est vrai qu'on est capable de joindre le nansu ou, mais li en quantité qui tellement infirme que en fait li pa suffisant pour li transmettre de mon amour. Ainsi, ba yon moun akolade, li pa ka bon maladie sida. Ba yon moun lanmen, li pa ka bon maladie sida. Manger dans même assiette avec ou moun, li pa ka bon maladie sida. Boire dans même gobelet avec ou moun, li pa ka bon maladie sida, etc. Et moi parler par exemple de liquide kakou lait maman, présence virus là, li attesté au niveau de lait maman, mais il y a des précautions que apprendre moun ka bay ti moun tété pour yo capable connaître comment pour yo gérer question virus sida au niveau de lait maman. J'espère que je suis capable de retourner sur ça parce que en fait, la question a été grande. À une époque, est-ce que une fille qui a une maladie sida sous lit, qui finit à coucher, si le monde n'a pas infecté, est-ce que fille ça est capable de continuer? Tout le monde a un petit détail sous lit. La réponse est oui. Nous recommandons très fortement, le ministère de la Santé publique, déjà depuis plusieurs années, recommander au monde qui fait sida, une dame, une femme qui a un virus sida, surtout s'il est sous traitement, mais même s'il n'est pas sous traitement, c'est préférable pour le bail si mon nan tété que pour le pas bail li. Du moment que li utilise allaitement exclusif au sein. Ça veut dire le pas bail si mon nan l'autre bagay encore pendant la bal tété. Ça veut dire que koul commence bal, quel que soit l'autre bagay là, c'est pour camper tété. Pourquoi? C'est parce que si mon nan, même avec tout le monde, nan subdigestif li gen des protections naturelles contre tout germe, contre toute bactérie. D'ailleurs, nous gagnons et ça nous est le suc gastrique là, qui est extrêmement efficace pour ça. Nous gagnons un certain nombre de barrières et des barrières physiques même. Le fait que cellules, tube digestif, si mon nom, mais grand mon nom, est bien formé. De façon particulière, quand il est bien formé. Et donc, deux cellules qui collent ensemble, allez à un espace qui est entre deux cellules, il est hermétique, donc le virus n'a pas qu'à passer. À partir du moment que si mon nom a commencé à prendre n'importe quel autre bagage, que ce soit l'air artificiel, que ce soit gerbe, que ce soit de l'eau, que ce soit du riz, que ce soit quel que soit l'autre bagaille, tube digestif si mon nan commence à rentrer dans un processus d'inflammation. Donc, il y a un phénomène d'hyperperméabilité intestinale qui vient rendre que si mon sa aspect hermétique là, on vient gagner un aspect qui gonfle. Ça veut dire que le fait que le gonfle ou pas qu'à gagner étanchéité ça, donc ou gagne des creux qui fait entre les différentes cellules et il est facile pour virus y rentrer. Donc, si un maman est infecté par GMVIH-SIDA, par GMVIH là, et que livlé by petite lisin du moment que la by petite lancin seulement li pa bal en ken l'autre bagarre encore jusqu'à 6 mois li capable bal tété a c'est même recommandé parce qu'on protéger ti moun nan parce qu'on permettre ou construire en fait immunité ti moun nan. Mais à partir du moment qu'on commence bal manger que ce soit un an que à un mois que ce soit à 2 mois que ce soit après 6 mois ou camper pas qu'a qu'on rencontrer maman les gengem là qui développer la carie doit qui fait maladie sida et puis ti moun nan lui-même li pas fait maladie. Okay. Question posée, c'est une question plus importante à répondre dans l'émission aujourd'hui. Hein. C'est une approche qui gagne par rapport avec qui réponse que la science, les pays sont en train de donner à problème VIH-SIDA. C'est extrêmement important de comprendre ça. Nous t'ai parlé de qui ça SIDA est, ou t'ai posé une question sur le dépistage là, et nous pourquoi pas entrer dans le traitement, probablement on a fait ça tout à l'heure. Mais on parlait de qui ça que nous allons faire pour nous éliminer le sida. Parce que la vision, c'est l'élimination du sida. Et on parle de 2030, etc. Écoutez, un pilier de l'élimination du sida, c'est créer une génération, c'est créer première génération sans sida depuis 30 ans dans le monde. Première génération de timoun qui fait sans que vous n'ayez pas de maladie sida. Biologiquement parlant, il y a 2% de chance pour que timoun attrape le sida. 2%. 2%. 2% de chance pour que Timon a attrapé sida. Alors, bon, commencer dès le commencement. Essayez d'imaginer où dans le monde côté qui pas gagné aucun traitement, prise en charge, etc. Du tout, pratiquement entre 30 et 40% de chance Timon a gagné entre 20 mamani et passage là pour lui sortir avec maladie VIH là.
Les que ou fait prise en charge là et très tôt ou diminuer jusqu'à 2% ou moins possibilité pour que ti moun infecté dans passage ou dans accouchement. Ça veut dire que pendant maman enceinte, la prend médicament, les mamans prend la coucher, la coucher dans un milieu médical qui préparé pour ça, qui connaît comment pour le faire pour que les protéger ti moun et protéger maman contre transmission VIH sida et après accouchement gagner et des activités qui fait des travail qui fait par exemple yo vérifier est-ce que ti moun n'a pas infecté si ti moun n'a infecté il y a des traitements maintenant qui disponible pour que très tôt yo bay ti moun n'a traitement et pour séronégative ti moun n'a et permettre que diminuer jusqu'à pratiquement 0% chance pour que ti moun ça lui-même li développer avec li grandit avec maladie avec maladie sida ce qui fait que donc pendant j'aime la capable toujours être ensemble ou bien arrive au moment j'aime éliminer net l'on prend très tôt a priori ou capable rendre que ti moun nan li vinn exemple a fait fuir li vinn éliminer maladie hein a fait traitement éliminer maladie parce qu'on prend très tôt par rapport à ti moun nan. Donc li tout à fait possible pour créer une génération de ti moun qui fait sans maladie sida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que travail sur moun ki infecté yo permettre que moun sa li accoucher dans un milieu hospitalier qui vraiment bien préparé pour cela. Et troisièmement, permettre que ti moun sa très tôt, très dès les premières semaines de la vie, li gen tan dépisté par rapport avec maladie et fait ce qu'il faut par rapport avec statut que ti moun sa li même li gen. Donc, yon nan pilier yo, c'est ça yon rele, jusqu'à présent nous rele PTME, prévention de la transmission mère-enfant, mais actuellement yon parle de l'élimination de la prévention de la transmission mère-enfant. Et là nous gagner bataille ça, ils sont bataille Haïti plus ou moins bien mené la dernière et c'est pral une grosse victoire que les bralier les que nous pral créer les premières générations d'enfants qui fait absolument AIDS free absolument sans GMVIH. On regarde prise en charge là donc là mais premier aspect n'a regarder dans prise en charge là c'est aspect psychologique là. Tout à fait. Ça arrive déjà parler de l'expérience au monde qui fait une fois test et puis nous découvrir mon engagement ensemble. Ou annoncer mon dans ça. Comment le recevoir message là? OK, la bonne nouvelle c'est que la prise en charge psychologique n'est pas commencé après ou fin fait test là, il commencé avant ou fait test là. Et il même commencé avant ou fait test là, ça veut dire avant dépistage là, il en fait doit commencer par rapport à préparer société à préparer la communauté à préparer moi-même avec à recevoir au monde qui vient et qui vient gagner VIH sida ou bien vivre avec monde qui gagne VIH sida. Le grand problème c'est stigmatisation, c'est discrimination, c'est le fait que à partir du moment qu'on est infecté, à partir du moment qu'on est séropositif et que communauté côté on va vivre là connaît ça, ils vont jeter les méthodes de côté. À partir de ce moment où créer une stigmatisation qui fait que tout le monde qui pourrait entrer dans situation ça prend en condition telle que monde ça pas capable supporter vivre avec maladie. Donc c'est première étape là. Deuxième étape là, quel que soit monde qui pourrait faire dépistage là, c'est quelqu'un qu'on pourrait préparer psychologiquement pour que ensemble avec monde là ouais si et test là établi que ou c'est positif qui soit fait. Si test là établi que ou c'est négatif qui soit fait. Et il y a une phrase que nous aimons utiliser, c'est une phrase, c'était Madame Boussico qui était pratiquement venue à la phrase là, mais qui toujours de saison, il dit que test VIH là, depuis fin fait, à partir du moment qu'on fin fait, on a une nouvelle façon de vivre pour commencer. Que ou positif ou négatif. Si ou négatif, ça veut dire que test là dit qu'on n'a pas gagné un gemme dans la caillou, tout naturellement, on va commencer, premièrement, mettez le voir au propre pour que Kounia ou, étant donné que. Par la grâce de Dieu ou pas gagner infection hein, c'est kounya pour aller prendre ce qu'il pour faire ce qu'il faut pour qu'on continue rester séronégatif. Donc il y a une discipline de vie qu'on peut continuer à adopter renforcer s'il le faut pour que vie ou capable rester libre de VIH sida. Mais t'as sur positif, c'est-à-dire que ou gagne germe VIH sida ou gagne essentiellement un certain nombre de choses pour qu'on ait. La première chose c'est que il y a un paradigme extraordinaire qui a changé dans la lutte contre le VIH sida, c'est que nous passons d'une maladie qui sont maladies qui ont une sentence de mort à partir du moment qu'on dit mon ali fait VIH, ça veut dire mon bon métal mourir au côté en fait, je caricature un petit peu mais c'est pas exactement ça mais c'était une sentence de mort. Moi même l'aime fait commencer dans les années 90-91 fait et activité de sensibilisation en tant que jeune étudiant en médecine concrètement. On disait aux gens, si vous êtes infecté, préparez votre mort. Concrètement, il n'y avait pas ça. On se focalisait sur le monde qui peut être infecté pour que nous encourager ou pour ne pas infecter parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour ceux qui étaient infectés. Il y avait des traitements palliatifs, etc. Mais maintenant,
première ça que mon nan doit connaître, li doit connaître que li ce n'est plus une maladie qui est en sentence de mort, ça devient ça nourrit une maladie chronique. Son maladie pral vivre longtemps avec lui, probablement reste vivre ensemble avec lui, me dit probablement parce qu'on ne sait pas, enfin on ne sait pas. La médecine, la science continue à chercher des médicaments qui t'a supposé capable d'éliminer complètement, mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'on y arrivera. Donc premièrement, ce n'est pas une sentence de mort. Deuxièmement, Mouna connaît qu'à partir de ce moment, c'est l'opportunité que l'on a pour le capable de travailler sur le développement personnel, pour le capable de travailler sur qui est-ce lié, sur qui ça livre fait avec la vie et quels sont les objectifs que l'on veut atteindre dans la vie, parce que justement, la maladie n'a pas empêché d'atteindre l'objectif de la vie. Maintenant, troisièmement, Mouna doit connaître aussi que l'on a des responsabilités vis-à-vis de famille. Alors, vis-à-vis de tête d'abord, vis-à-vis de proches, vis-à-vis de famille, vis-à-vis de conjoints et vis-à-vis de société. Vis-à-vis de tête li, prend tête li en main. À partir de ce moment où gain pour prendre médicament chaque jour religieusement, pas même dire régulièrement, religieusement, il faut pas sauter le traitement premièrement. Deuxièmement, vis-à-vis de conjoint, il y a pas pas gain, c'est pas comme s'il est optionnel pour que conjoint connaît. Conjoint obligé connaît. Évidemment, ça qu'apprend accompagnement de professionnels de santé, de psychologues, de sociologues, de travailleurs sociaux pour non seulement préparer, mais aussi aider à préparer conjoint pour qu'on quelle est la meilleure façon pour que ou capable de l'information ça. C'est ou imaginer qu'on paquet d'implications dans cela qui bon te prendre etc. Depuis qu'il a gagné etc. Et c'est ma prêter avec ou toujours. Mais c'est me voulait faire vivre avec un monde qui selon moi même bon épée de Damoclès sous tête etc. Donc il y a tout un accompagnement. Ou dit psychologique, mais nous parlons plus de psychosocial parce que c'est toute société a, qui pour bailler mon nom, route pour le passer, les liens, infection ça. Et pour l'instant, c'est une bataille qui est engagée. Ce n'est pas une bataille gagnée, malheureusement. La question de la stigmatisation, la question de la discrimination vis-à-vis du VIH n'est pas encore résolue en Haïti. Et c'est à se demander pourquoi, parce que nous avons près de 30 ans depuis qu'on a parlé de cela. Il est vrai que gagner un certain nombre d'explications en arrière de cela qu'on peut donner, yon ladan yon, c'est le fait que la sensibilisation massive vis-à-vis du VIH est ralentie dans le pays d'Haïti. Ok. En regard aspect médical là maintenant, est-ce que tout l'hôpital prend en charge les gens qui ont une maladie ça? Non. Pour un certain nombre de raisons, mais peut-être ma prête une raison qui est plus concrète là, c'est parce que prise en charge maladie VIH, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. L'extrêmement complexe et j'aime dire non c'est un paquet de services que lié et effort que Haïti fait c'est mettre en place plus d'une centaine en fait de centres de prise en charge, beaucoup plus d'une centaine. Le dernier chiffre que m'étais gagné était au-delà de 172 centres dans le pays, hein, dans tout pays qui fait prise en charge là. Par exemple, nous autres au niveau de l'hôpital Adventiste d'Haïti, nous gagnons ce programme de VIH SIDA qui sont programme complet. Et quand on m'a demandé pour me parler de prise en charge là, on a dit que prise en charge là, j'en nous dit était dit, il commençait par dépistage là que nous fait. À partir du moment qu'on finit dans dépistage là, on monde qui dépister. Alors pour simple et ça pour faire test là. Fait test là. Okay. Au fait test là pour connaître qui est sous gain. Et tout à l'heure tu posais une question, justement c'est slogan ça qui gagne pour année pour journée mondiale SIDA année, ça c'est connaît statut ou pas acceptable, li pas logique, li pas intelligent pour que ou même ou vive. Et d'ailleurs, qu'on gagne une relation sexuelle déjà ou pas. Songez que me dit que l'infection est capable de faire jusqu'à plus que 10 ans dans sang, sans que li pas commencer à manifester. Ainsi, même si moun ka fait dépistage. Le 30 novembre, vendredi 30 novembre, on était avec l'hôpital Adventiste d'Haïti, Institut SPEC et Force Ref aussi là ensemble avec nous, à Fontamara, côté nous avons lancé le programme que nous relais la santé pour la paix qui parle déployer dans Fontamara et dans Martissan. L'idée c'est vraiment d'apporter des services de proximité à la population ça qui, nous le savons très bien, a vivre des moments extrêmement difficiles. Et dans le cadre de ça, et parce que c'est la journée mondiale du sida, on a fait des dépistages. Il y a beaucoup d'élèves qui sont venus, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et qui fait et qui t'ont participé dans le dépistage là. Juste. Mais dans la question ça, aspect dépistage là, fait test là, il y a une crainte mon n'a pas sur prise en charge là, mais il y a une crainte mon c'est question confidentialité. Est-ce que lorsque mon fin gagne un résultat soit négatif ou bien positif,
Est-ce que les garanties pas pral dit loger doit souli a dit mon a est-elle sauf fait test la sida moi t'a dit que c'est une prise en charge qui est extrêmement complexe une grande partie de complexité ça c'est la confidentialité dans toute sorte alors je pars du postulat parce qu'en fait on connaît que c'est ça le protocole dans toute sorte qui fait prise en charge VIH en tout cas ça qui fait les bien yo par exemple les dossiers des malades sont sous scellés yo cadenassé et tout monde qui rentrait dans ce service-là, il est assujetti à cette obligation de confidentialité. Ça veut dire que les gens n'ont pas gagné aucune possibilité pour les ni longer d'ouet. Il y a une dame qui est responsable du service dans l'hôpital moyen qui a fait une présentation qui dit moi-même, l'aime dans la rue, j'ai plus que 300 patients en fil actif et la caille dans l'hôpital Adventiste d'Haïti. L'aime dans la rue, je ne reconnais aucun monde. Je dois passer côte à côte avec une patient, je ne pas. C'est les gens qui peuvent décider s'il veut pour le relais. Donc, pour que concrètement, ouais, jusqu'à quel point la question de protéger confidentialité, mon nom, protéger secret, mon nom, sont bagages qui extrêmement important. Lorsqu'on parle de prise en charge, SIDA. En regardant la réalité de nos jours, tout bagage net largué sur les réseaux sociaux, même au niveau des documents officiels de l'État, l'année fait sorte, si le bon ministre fait si on bagage. Photo à fait et puis la gueule sur réseau. Est-ce que pas de possibilité ça? Mon enfant fait test résultat et puis le laboratoire, mon qui est dans le laboratoire, technicien laboratoire là, il fait lui et puis il la gueule sur réseau pour avis le monde. Écoute, je ne peux pas garantir que pas de dans quel côté. Je ne peux pas garantir que dans l'hôpital noir, bagage ça sous contrôle. Je peux même aller plus loin pour. Et au niveau de communauté, à monde qui prend le fait test, il y a un réflexe qui. Pas unique à Haïti d'ailleurs, et que moun yo gen. Gen pile fois, moun yo pa ale nan centre de santé qui tout près la caillou. Gen pile fois, moun yo pa ale fait test nan une structure qui, en fait, nan zone de vie yo, parce que, en fait, justement, yo vle protéger yo contre ça, yo ale nan structure qui loin, côté yo sont étrangers. Et que moun nan ki pral fait test nan, pa gon lien avec moun ke le konnen pou l'al fait li. En fait, ça, c'est un mécanisme qui est développé par. Population, c'est pas une recommandation que nous faisons, mais souvent, population li prend décision, ça li évite à le faire test là, un côté qui est très proche. C'est ça qui fait que Mkadjou ça, en général, nous autres, au niveau des activités de santé publique, nous aimons faire zonage. Nous aimons dire, ok, centre ça, la couvrir telle zone. La couvrir zone, bah, qu'on est zone de Delma 33, Delma 31, puisque nous sommes dans la télévision nationale d'Haïti. Et puis, ou bien ces zones, ouais, c'est mon, bah, qu'on est, mon cabaret, mon encaillé, qui a fait test dans le centre. Donc, du point de vue santé publique, ça compte poser problème, mais du point de vue pratique et pragmatique, population n'est pas intelligent aussi, donc il compte prendre des décisions. Mais dans des structures de santé qui se respectent, et très franchement, je fais le crédit au centre de dépistage, que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, je peux vous dire que dans le programme du SIDA en Haïti, il est extrêmement chaud. Si cas ça t'est arrivé, qui ça t'est arrivé? Je vous assure que... Et je vous assure qu'il y a même des provisions légales que mon gendoie doit utiliser contre les professionnels de santé ça qui t'a mis. Non, par exemple, mon c'est garder le capable garder sur les réseaux sociaux résultat test dans la rue, mais lui même les gendoie pas connaît directement c'est mais nous même qui responsable. Bon, qui centre de santé. Entité ça. L'icône qui centre de santé côté le fait, lui absolument gagné. C'est l'administration lui même. Pas capable automatiquement. Oh, automatiquement. Automatiquement. Je veux dire que la protection du patient, de façon particulière, la protection de l'information du patient, je me fais spécificité ça. L'information du patient, c'est une information qui est confidentielle. Ce n'est pas dans le VIH, SIDA seulement. Ou elles font un examen dans le laboratoire, ou elles font un examen simple pour hémogramme ou bien et groupe sanguin. C'est un examen confidentiel. C'est seul ou même qui est capable de bailler mon ouvrier autorisation pour gagner information. Y compris d'ailleurs médecin. Médecin gagne information, c'est parce qu'on autorise médecin pour gagner information. Donc, la question de l'information du patient, information médicale au patient, c'est la confidentialité, c'est vraiment le secret professionnel qui est censé être le mieux protégé au monde. D'accord. On continue dans la prise en charge là. Nous t'ai parlé de dépistage là, donc elle fait test là. À partir du moment que moun fait test là, il découvre que le séropositif, excusez-moi, moun sa li gen pour obligation pour li commencer dans un processus de prise en charge. Processus de prise en charge, ça li pral commencer par thérapie psychologique là parce que à partir du moment que moun nan informé que le séropositif, c'est un coup de massue que le prend sous tête li. Moun sa li gen un travail psychologique qu'on pral faire avec lui pour accompagner moun sa que
avec plusieurs étapes de prise de deuil que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Et généralement, prise en charge psychologique, la psychologue, on a plus l'argent, d'après ça. Oh, est-ce que mon a payé à ce moment-là ou bien prise en charge psychologique là, les gratis, t'es chéri? La prise en charge de VIH-SIDA en Haïti, dans toutes les centres dont je vous parle, les gratuits. On va gagner 5 ans pour bail. Ni prise en charge, ni médicaments. Ni prise en charge psychologique là, ni médicaments. Quel que soit ça qui a un rapport à prise en charge et VIH là, pas gagner 5 ans pour bail dans aucun centre dans le pays d'Haïti. Sous bail, et sous payer dans une centre, vous doit poser question pour qui ça, dans centre ça, vous fait payer. Je vais même plus loin, une femme enceinte qui en fait gagne pour la coucher, une femme enceinte séropositive, connue, et qui gagne pour la coucher, li capable garder pour qui centre qui structure de santé qui disposé accueillir li pour faire accouchement gratis gratis pas payer gynécologue anesthésiologiste essentiellement etc. Pour et vision comme des violents vision pour nous gagner première génération d'enfants donc li pas payer gynécologue anesthésiologiste li pas payer cabane li pas payer chambre etc. Li pas ta supposé payer le seul problème qui gagne le seul problème qui gagne actuellement c'est que aspect ça dans réponse dans la lutte là il y a en pile difficulté là dans parce que en fait c'est un aspect qui compliqué par rapport avec financement ni et normalement gagne par exemple alors bam prend partenaire direct nous gestion qui gagne des subsides que yo appliqué à des institutions de santé que yo gagne partenariat avec yo institutions de santé ça yo accepté prend moun et VIH près des femmes enceintes séropositive qui gagne pour accoucher et qui facilite accouchement. Dans l'hôpital Adventiste d'Haïti, moi déjà ba autorisation pour sa fête juste pour le dire. En passant depuis que c'est service VIH nous qui voyez moun nan vinn prendre service afin vinn accoucher, normalement cet accouchement est couvert par le programme. Donc, nous t'a parlé de prise en charge, la dépistage à partir du moment que le dépistage là prise en charge psychosociale là a commencé, ensuite après prise en charge psychosociale là, même dit après, c'est parallèlement, c'est traitement. Bonne nouvelle. Depuis, je pense, et 2 ans, dans le monde entier et en Haïti, on a décidé, dès que le monde est positif, mettre son médicament antirétroviral. Puis ça me dit ça, c'est parce qu'en fait, moi-même, avant qu'à permettre mon nom bien comprendre, c'est opposé ça veut dire ou gen jamais dans ensemble mon pourquoi gen sida pas nécessairement gen maladie ko gen maladie ko pas gen maladie yo commencer médication et personnellement moi j'étais extrêmement actif dans la réponse directement actif dans la réponse au VIH sida entre 91 et pratiquement jusqu'à 2011-2012 et parce qu'en fait et pendant très longtemps pendant plus de 12 ans j'étais expert international des Nations Unies, notamment dans la lutte contre le VIH-SIDA, à côté de travail pour en Afrique, etc. Pratiquement dans 7 pays au monde, directement. Et, mais depuis un certain nombre de temps, moi, essentiellement dans les services par rapport avec Axiom, que ce soit au niveau de l'hôpital Adventiste d'Haïti, comme c'est directeur médical, que ce soit au niveau de l'Institut SPEC, qui c'est essentiellement l'Institut de santé préventive, environnementale et communautaire, dont le but justement c'est faire la vulgarisation en matière d'éducation pour la santé. C'est ce que nous faisons maintenant ici à la Télévision nationale d'Haïti. Et pendant très longtemps, prise en charge aux malades VIH, aux malades SIDA, c'était qui gens, moun nan infecté, ou suivre moun nan, ou bal ça nous terrele des prophylaxies. Prophylaxie, ça veut dire nous faire des préventions pour moun ça, pour permettre que autant le plus longtemps possible, en attendant que moun nan lui-même li manifester les premiers symptômes de maladie SIDA. Et c'est à partir de ce moment que on commence à mettre le sous-médicament. Depuis quelques temps, on a décidé de mettre les gens directement sous antirétroviraux. Antirétroviraux, c'est conserver les médicaments qui font traitement de maladie SIDA pour deux raisons. La première raison, et c'est la principale, c'est que nous connaissons que les gens qui prennent antirétroviraux suffisamment tôt et suffisamment longtemps, à un certain moment, moun sa li vin pas présenter germe nan nan sans li encore. Ça veut dire moun sa yore li vin séro négativé. Concrètement, ça veut dire. Ça veut dire que moun sa, ou al fait test VIH la pou li, nan test habituel que nous gagnons, qu'est-ce qui se passe? Test la montre que moun nan li pa gen virus la nan sang, li séro négativé. Ça veut dire que moun nan pa gen virus la li indétectable nan sang li, suffisamment bien. Suffisamment longtemps, suffisamment précocement. Nous prenons 2-3 aspects rapides parce que le absence a fait nos défauts. Aspect prévention, Kounia là. Qui ça pour nous faire? Rapidement parce que. Lors dit prévention, on parlait de
plusieurs niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Dans le VIH-SIDA, dans le cadre de lutte contre le SIDA, nous sommes toujours focalisés sur la prévention primaire. La prévention primaire, c'est ou pour avoir une maladie, éviter pour prendre. La prévention primaire, là, c'est ABC, c'est la formule que nous avons toujours utilisée. Abstinence, utilisation et condom, et puis fidélité. Abstinence, fidélité, condom, il y a même des chansons que nous avons fait sur ça. Et trois et modalités, ça, c'est des modalités qui te prennent en charge la grande majorité de cas VIH. Maintenant, l'autre cas que le pas prend en charge, c'est par exemple transmission et maman Timoun, que prévention ou fait li en prévention secondaire. Et deuxième cas que le pas prend en charge, c'est par exemple l'organe, ça a un accident d'exposition à un liquide biologique. Par exemple, vous faites un accident machine, et puis moun blessé, et puis s'envoler sous. Ça, c'est un accident d'exposition à un liquide biologique ou bien accident d'exposition au sang. Et là, c'est prévention secondaire là qui pral fait. Ça veut dire prévention secondaire là ou déjà en contact avec virus là. Et à partir de là, dès que vous êtes en contact avec virus là, il y a plusieurs façons capables en contact avec virus là. Premièrement, vous violez. Vous violez par contre qui statue moun qui violo là et moun n'a pas utilisé condom. Deuxièmement, on entre dans une relation sexuelle qui non protégée et qui risquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou une relation sexuelle avec un monde ou t'es passé un bel ou t'es allé non bal ou passé une belle soirée avec un monde etc. Fais bail sans capote avec un monde qu'on pas connaît parce que c'est extrêmement important de savoir que deux monde qui connaît tout deux connaît aussi au négatif. Il y a une discipline de vie. Tous deux c'est au négatif d'abord. Ensuite, il y a une bonne discipline de vie et que en tant que couple, il y a décidé que n'a pas gagné des relations sexuelles sans condom, mais il y a une fidélité réciproque entre les deux. Donc, fait bagaille sans capote là. Dans le cas, il protéger parce qu'il y a un cercle fermé. Une dernière question pour nous capable faire, mais on pas gagner pression. Ça qui est important, oui. désolé. Ça qui est important dans prévention, il faut nous dire, c'est que prévention qui est plus puissante actuellement qu'on est en train de faire, c'est prévention secondaire là, d'ailleurs tertiaire, côté moun nan gen sida déjà. Et vous placez le sous antirétroviraux, tout à l'heure, je te dis ça. Là, vous placez le sous médicament bonheur, dans sans vin pas gen virus là. Ce qui vient faire que moun sa, même si li rive pour une raison pour une autre, li pa gen doit faire ça, mais imaginez que li vin faire li gen des relations sexuelles sans condom avec ou moun, li pa gen virus là dans sang ni, donc li pa gen virus là ni dans sperme ni dans liquide vaginal li pa capable transférer et microbe là. Et vous vin rendre compte que c'est une nan plus puissantes armes que nous gagnons actuellement contre VIH, c'est que nous coupons la chaîne de transmission. C'est-à-dire, même les gens qui gagnent, le fait que nous placions les gens sur l'antirétroviraux, le bonheur qu'on a, les gens n'ont pas qu'à transmettre la maladie. Pour nous capables de conclure, ou conclure sur l'aspect ça pour moi, nous avons l'impression de nos jours, pas de même sensibilisation encore, pas de même nous capables de dire, et prudence par rapport à la maladie, ou, premièrement VIH, là, comme j'aime, et par rapport à la maladie SIDA. Conclure sur l'aspect ça pour nous. Oui. Maladie SIDA dans les années, fin des années 80 jusqu'à début, quelques secondes, il était à 6-8% et des endroits il était à 12% en Haïti. Donc tout le monde était connu qui fait SIDA. Et vers les années 2000, à partir de 2005-2006, il y a une diminution drastique. Actuellement, nous avons 2% au moins de monde dans le pays d'Haïti qui gagne SIDA. Donc, flamme n'a diminué, moun yo pensé que bataille a gagné. Bataille n'a pas gagné. À partir de 1%, virus épidémie SIDA est considéré comme une épidémie globale ou bien globalisée. Donc pays d'Haïti non seulement toujours même pas à risque, il y a toujours un gros problème de VIH SIDA. Nous avons plus passé 150 000 monde en Haïti qui gagne SIDA jusqu'à présent et dans 150 000 monde ça yo, il y a un tout petit peu plus maintenant de 100 000 qui sous médicaments pour capable bloquer question. Donc toujours été VIH actif, toujours songer que question comportement, question prévention à son bagage qui est très important, abstinence, fidélité, condom, et puis suivre le docteur, c'est ça, pour chaque monde prend comme décision pour être capable de protéger tête contre maladie SIDA. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur Genèse. Mon cher Ruben, merci en pile. C'était un honneur et un plaisir. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons recevoir docteur Franck Genèse. Avec lui, nous avons brassé l'idée sur la question SIDA dans le cadre de la journée mondiale. Maladie SIDA qui célébrer Anessa pour nous capables de connaître ça, ça veut dire. Encouragez-nous à faire test pour nous connaître. Si nous avons un VIH là, dans nous, qui peut développer maladie? Si nous avons un gène dans nous, qui peut développer maladie? SIDA. C'est un plaisir pour nous de vous dire. Bonjour, bonne journée tout le monde, bon après-midi. Soit sur nous en rediffusion. Bye bye tout le monde. Ministère de l'Éducation nationale et tout partenaire, fait mettre campagne.